Je vous avais prévenu, mesdemoiselles, l'exercice d'aujourd'hui est très complexe. Professeur Palladium, un moustique vient de me piquer. Nous sommes à proximité de la cage, il est tout à fait normal qu'il y ait des moustiques. Mais regardez ce qu'il m'a fait. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas grave. Je vous demande un peu de concentration. Pauvre professeur, pourquoi se moque-t-on de lui? C'est trop méchant. S'il était plus sûr de lui, il serait plus respecté. Une bonne fille doit savoir être à l'écoute de la nature. C'est cette aptitude que nous allons tester avec cet exercice délicat. Les groupes sont formés, nous n'avons plus qu'à commencer. Vous avez 3 heures pour sortir des marécages de la tortue noire et arriver à la clairière qui se trouve au cœur de la forêt du trèfle doré. Sans utiliser la magie. N'oubliez pas, écoutez attentivement la voix de la nature et suivez bien ses conseils. Oh, la voix de la nature. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais je ne sais pas. Jamais mis les pieds dans un endroit aussi dégoûtant. Oh oui, c'est écœurant. Toute cette boue, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les filles, mais la boue nous arrive au-dessus des genoux. Je ne sais pas si vous comptez réagir, mais moi, oui. Mettez-vous à l'abri. Je m'en occupe. Non, Tecna, ne fais pas ça. Nous devons écouter la nature. Je sens quelque chose, qu'est-ce que c'est? Il a dit écoutez, pas mentir. On dirait que ça sent... Le gaz, on ne peut pas rester là. Attention, je lance. Une étincelle et nous étions transformés en tartines grillées. Je n'aime pas ça. On prend beaucoup trop de risques. Surtout toi, Tecna. Un peu plus et tu étais obligée de rembourser mon costume. Enfin libre. J'ai de plus en plus de mal à supporter les cours de Zarathustra. Pas vous? Nat, vieil ogre stupide, où te caches-tu cette fois? Je suis là. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Oh, quelle souffrance! Laisse-le sortir, Darcy. Oh, quelle affreuse odeur! J'ai mangé des haricots. Haricots ou pas haricots, Nat, tu sens toujours mauvais. Nous devons lui trouver une cachette avec un système de ventilation. Essaye d'être plus discret, Nat. Personne ne doit savoir que tu es là. Le règlement de l'école est strict concernant les animaux domestiques et autres spécimens vivants. Maman, qu'est-ce maman, que je vous disais? Nous devons redoubler de prudence. Nous avons pris de gros risques en devenant invisibles pour quitter le cours. C'est déjà assez pour aujourd'hui. Mais voyons, nous sommes des sorcières. Nous n'obéissons à aucune loi. Silence! Dis-moi un peu, toi, aurais-tu oublié d'utiliser la télépathie pour envoyer ton message ou l'aurais-tu fait exprès pour répandre la nouvelle? Pardonnez-moi, maîtresse, mais c'était très urgent et je me trouvais près de l'école de la Fontaine Rouge où vous m'aviez envoyé en mission et... J'ai entendu les spécialistes dire qu'ils s'emmenaient mon troll chasseur à Magix pour le livrer à la police qui le mettra certainement en prison jusqu'à la fin de ses jours. De toute façon, cet animal nous est inutile. Il a été incapable de s'emparer du sceptre de Stella. Oh. Il n'y a pas que ça. Il a été surpris dans la maison de Bloom, une des filles d'Alphéa. Si on le questionne, je suis sûre qu'il crachera le morceau. Il parlera de nous et nous aurons des ennuis. Du calme, Stormy. J'ai peut-être une solution pour libérer ce troll. Nous allons nous rendre à Magix pour le récupérer et nous en profiterons pour nous débarrasser de lui, une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression qu'il va nous arriver quelque chose, Kai. Je ne sais pas, c'est comme un pressentiment. Quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Ça, je ne sais pas exactement. Détendez-vous, les amis. C'est moi qui suis aux commandes et je contrôle parfaitement la situation. Si tu le dis... Je vous rappelle à ce propos que vous êtes prié de m'appeler capitaine. Comment ça se passe à l'arrière? Très bien, notre prisonnier est plutôt calme. Oh, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien, mais il me semble que ça vient de l'extérieur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout à fait impossible. Les détecteurs n'ont rien signalé. Regardez! Un vaisseau de la Fontaine Rouge! Allons-y! Vite! Ils ont besoin d'être secourus! Tout va bien, les garçons? Oui, ça va. Tout va bien, merci. Ça se voit, non?
nous sommes sains et saufs, merci. Oh, oh non! C'est incroyable! Le troll s'est échappé! Malédiction! Quoi? Un troll? Oh mon dieu! Oh, un troll! Vous transportiez un troll et vous l'avez laissé s'échapper? Nous n'avons laissé personne s'échapper. C'était un accident. Notre vaisseau a perdu de l'altitude. Oui, et... un simple problème mécanique. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à craindre, nous l'avons menotté. Mince! Riven, je ne crois pas que nous soyons vraiment en sécurité. Mais que faisiez-vous ici? Nous sommes en plein exercice. Dans ce cas, je vous conseille de vous remettre tranquillement au travail et de laisser faire les spécialistes. Et quand arriveront les spécialistes en question? Où sont-ils? Nous sommes là et tu le sais très bien. Riven pense qu'il est préférable que vous retourniez à Alphéa et que vous nous laissiez le soin de capturer cet animal très dangereux. Elles ont compris, on n'a pas besoin de tes commentaires. Et non, nous n'avons pas besoin qu'on nous parle sur ce ton. Nous sommes assez grandes pour savoir ce que nous devons faire. Parfait, mais vous êtes prévenus. Ne venez pas vous plaindre, vous seriez mal reçus. Allez les gars, au travail, il faut rattraper cet animal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je propose d'accompagner les garçons et de les aider à capturer le troll. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Stella. Je me demande si nous ne ferions pas mieux de retourner à notre exercice. Nous connaissons toutes ce troll. C'est une bête féroce. Sans nous, Sky et ses amis vont au-devant de graves problèmes. Très bien. Si vous êtes toutes de cet avis, la chose dont je suis sûre, c'est qu'il se passe quelque chose de très étrange. Vous avez remarqué le trou dans le fuselage? Le vaisseau était touché en plein vol. Ça signifie que quelqu'un a aidé le troll à s'évader. J'ai bien peur que oui. Dans ce cas, nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas? L'impact a abîmé le stabilisateur. Et le coupable s'est également occupé des menottes du prisonnier. Ce sont des menottes psychées. Pour les ouvrir, il faut posséder une grande force mentale. Hé, les filles, venez voir! Venez vite! Hein? Ce sont les traces du troll! Oui, et c'est bien ce que je pensais. Nous avons affaire à un vrai géant. Un géant qui ne laisse presque pas de traces. Regardez, plus il s'éloigne, plus les traces deviennent invisibles. Pourtant, le sol est très humide. Comment expliquez-vous ça? C'est comme si le troll avait trouvé le moyen d'être ultra léger. Je dirais plutôt qu'il a usé de la magie pour défier les lois de la pesanteur et flotter dans les airs. Oui, ça me fait penser au sortilège de la pesanteur. Mais les trolls n'ont pas de pouvoir magique. Non, mais il a certainement de bons amis. Avancez doucement. On ne peut pas savoir ce qui se cache dans cette boue. Allez, les filles! Retrouver un troll dans les marécages, ça ne va pas être facile. C'est vrai. Méfiez-vous, il peut être n'importe où. Il n'y a pratiquement pas un bruit. La boue absorbe tous les sons. Tant mieux, on se concentre plus facilement dans le silence. Et on peut même entendre la voix de la nature. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'entends rien du tout. Oh? Alors, est-ce que Dame Nature vous suggère quelque chose de précis? On devrait commencer par là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Je ne suis pas assez courageuse pour m'y aventurer. Pourtant, je suis convaincue que c'est la bonne direction. C'est ça, je le sens. C'est la bonne direction, c'est par là. Vous venez, on y va. Espérons que nous ne le regretterons pas. Eh, mais ces lianes sont vivantes. Je suis convaincue qu'aucun animal ne pourrait survivre dans cet environnement. Et pourquoi? Ah, il n'y a rien qu'un animal puisse manger ici. Mais tu es vraiment sûr de ce que tu viens de dire? Certain, quoique je commence à avoir quelques doutes parce que je... Chut! Je crois reconnaître cette plante carnivore. On l'appelle Silentia carnivoris. Elle déteste le bruit. Vraiment? J'ai du mal à le croire, j'ai besoin de preuves. Alors, vous voyez bien qu'il ne se passe rien, c'est faux. Ne bouge pas! Aidez-moi! Ne bouge pas. Tu es incorrigible. Tu promets de te taire maintenant. Au secours! S'il te plaît, Timmy, arrête de crier, tu m'empêches de réfléchir. Vous êtes là. Continuez de chuchoter, les filles. N'allez pas perturber la digestion de ces adorables plantes, ce serait dommage. Ça suffit, ne crie pas comme ça, Riven. Tout va bien, ma belle, tout va bien. Allons, détends-toi. Je suis ravie de t'avoir revue, Bloom. Vous pouvez parler normalement maintenant. Nous sommes hors de danger. Nous allons rester avec vous et vous aider à retrouver ce troll, si vous êtes d'accord, bien sûr. Nous le ferons avec plaisir.
Je refuse de faire équipe avec les fées. Dans ce cas, mon vieux, tu seras tout seul. Et si tu rencontres le troll, tu n'auras qu'à crier. On viendra. Ça suffit. Comme s'il ne suffisait pas d'avoir à s'occuper des fées, il faut aussi s'occuper de Timmy le boiteux. Ribbon, cette fois tu vas beaucoup trop loin. Tais-toi, Brandon, tu n'es que le valet du prince Kai. Mêle-toi de tes affaires et va donc nettoyer les écuries. Attention, Ribbon, tu exagères. Oh, et que feras-tu si je continue à exagérer? Tu seras exclu de l'équipe, c'est clair? D'accord, essayons de retrouver ce troll. Celui-ci m'a l'air assez solide. Espérons-le. Oh, je sais que ça peut sembler ridicule, mais j'ai l'impression que ces îlots de gazon se déplacent. Non, rassure-toi, c'est aussi mon avis. C'est pas une impression, les amis. Ça bouge là-dessous et ça bouge vraiment. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait un tourbillon. Il faut absolument se sortir de là au plus vite. Oh, merci, Sky. Attention, ne tombez surtout pas dans l'eau. Vous seriez emporté par le tourbillon. Ne me lâche pas! Vite, venez m'aider! Je ne pourrai pas tenir longtemps! Courage, il faut y aller. Le troll est toujours en liberté. Nous avons perdu suffisamment de temps. Nous l'avons, c'est lui. Qu'est-ce que c'est? Amari l'a crié. Vite, les fées d'Alphéa sont en danger. Les filles sont prisonnières. Nous devons agir rapidement avant que le troll ne décide de leur faire du mal. Vous avez compris les gars, nous devons agir au plus vite. Voici mon plan. Premièrement, les filles vont distraire le troll. J'espère que dans ton plan, il y a aussi un deuxième main. Bien sûr. Brandon et Timmy vont capturer le troll, pendant que Riven et moi, nous nous empresserons de lui passer les menottes. Des questions? Parfait, alors au travail. Hé, grand Balou, tu dois te souvenir de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous attraper, c'est ça, bien? Dépêchez-vous! Vas-y, attrape-le! Dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Le capturer, tu parles. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Eh bien, eh bien. Et vous vous appelez les spécialistes? Spécialistes des missions ratées, oui? C'est comme ça qu'elle nous remercie. Brandon? Oh, c'est toi. Il est vrai que vous n'avez pas capturé le troll, mais vous avez réussi à libérer les filles et tu peux en être fier. C'est gentil, Bloom, mais je ne suis qu'à moitié satisfait. Vous avez tout de même sauvé les fées des mains de cette bête féroce? Tes amis ont raison, il n'y a pas de quoi se vanter. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais de simples débutants. Oh, mais... On n'a jamais réussi à mener une mission à bien. On se dispute tout le temps. Tu n'as pas le droit de me mettre cette faute sur le dos. C'est toi qui as passé les menottes aux mains de Timmy. Mais c'est toi qui avais les menottes. Qui? Moi? Oh, arrêtez, ça suffit! Si nous n'arrivons pas à travailler en équipe, nous ne capturerons jamais ce troll. Tu as raison. Nous devons apprendre à travailler ensemble si nous voulons réussir. On peut au moins essayer. Très bien. Je t'ai eu. Ha 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 ha
J'ai réussi à obtenir une trêve, c'est déjà ça. J'aurais préféré un traité de paix, mais je m'en contenterai pour le moment. Je le savais, je le savais! Tu dois apprendre à te contrôler, Stormy. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Mais il pourrait se perdre. Impossible. Lorsqu'un troll suit une trace, il ne la perd jamais. Il a peut-être péri dans les sables mouvants. Mais notre sortilège anti-pesanteur l'aurait forcément empêché de s'enfoncer. Il a peut-être perdu notre trace, après tout. Mais non, tous mes plans sont parfaits. Maman, maman, quoi, maman? Il manque. Le voilà. Tu as enfin réussi. Nous t'avons offert ta liberté. Tu as fait exactement ce qu'on t'avait demandé. Tu nous as servi dignement, mais désormais, nous n'avons plus besoin de tes services. Nous allons te plonger dans l'oubli. Adieu, troll. Nos secrets s'éteignent avec toi. Mission accomplie. Nous pouvons rentrer à la tour nuage. Et maintenant, qu'est-ce que tu entends? Ce n'est pas un son, c'est plus une sensation. Quelque chose que l'on entend de l'intérieur, pas avec les oreilles. C'est intéressant. À mon avis, c'est sûrement la bonne voie. Faites confiance à Bloom. Elle nous l'a prouvé. Dans ce domaine, elle est imbattable. Nous arrivons au bout du chemin. Mais il n'y a personne ici. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sens plus rien. Il y a des ondes négatives dans cette partie de la forêt. Oui, je les ressens aussi. Comme si quelqu'un avait jeté un sort dans cet endroit. Quelqu'un a dû jeter un sort pour faire disparaître le troll. Ces personnes auraient aidé le troll à s'évader, l'auraient guidé dans les marécages pour ensuite le faire disparaître. Mais qui pourrait manigancer une chose pareille? On peut savoir ce que c'est, Bloom? Je n'en suis pas vraiment sûre, il est possible que je me trompe, mais ces plumes me font penser au canard d'Aïssi. Je ne vois pas ce qu'Aïssi pourrait avoir à faire là-dedans. Je n'en ai pas la moindre idée, mais je voudrais bien le savoir. J'espère que vous ne nous en voudrez pas de vous laisser ici. Nous avons du travail. Oh, non, pas de problème. Nous comprenons tout à fait. Au revoir. Au revoir. Je vous ai observé tout au long de la journée et bien que vous soyez arrivés les dernières, je vous félicite car votre travail est excellent. Vous avez fait preuve de courage, d'initiative, de générosité. Vous avez pris les bonnes décisions au bon moment. Bravo! Je suis certain que vous aurez de bons résultats le jour de l'examen. Il ne s'agissait que d'un entraînement aujourd'hui. C'est pas juste, ça veut dire que nous avons fait tout ça pour rien? Pour rien? Ce n'est pas mon avis, Amaryl. Cet exercice vous a appris énormément de choses. Cette mission a été un échec sur tous les plans. C'est ma foi vrai, nous n'avons pas rattrapé le troll. Mais ça a été une merveilleuse expérience. Je suis d'accord avec Prince Kai. J'ai eu pour la première fois de ma vie l'impression de faire partie d'une équipe, d'un groupe. C'est également ce que j'ai ressenti. C'est aujourd'hui qu'est née la grande équipe des spécialistes. Je suis d'accord, mais s'il vous plaît, les amis, ne m'appelez plus Prince. Vous allez finir par me donner des complexes. Stella? Oui? Tout va bien? Oui, Bloom. Bonne nuit. Bonne nuit, Stella. Bonne nuit, Skye.